Cela fait bientôt 10 ans que Kate Middleton et le prince William se sont dit oui. Le duc et la duchesse de Cambridge ont célébré leur amour à l'abbaye de Westminster à Londres le 29 avril 2011 devant une foule d'invités, de spectateurs et devant les caméras. Leur mariage, tout comme celui d'Harry et Meghan Markle, a été diffusé dans le monde entier. Et l'événement aurait été visionné par plus d'un milliard de personnes. Leur fiançailles s'était déroulée quelques mois plus tôt, en octobre 2010, lors d'un séjour au Kenya. Pour faire sa demande, le petit-fils d'Elizabeth II s'est mis dans la peau d'un véritable romantique. En effet, comme le rappelle l'experte des têtes couronnées Cathy Nicole dans les colonnes The Mirror, ce dernier a profité d'une escapade loin de toute médiatisation pour demander la main de sa bien-aimée. L'héritier au trône aurait, après une journée calme à pêcher sur le lac Rutunedoo, retrouvé la cabane en rondin qu'il avait réservée pour l'occasion. Si est-il à ce moment-là, dans la véranda, qu'il se serait mis à genoux. Pour habiller la main de Kate Middleton, William lui a offert la bague de fiançailles que son père avait offerte à sa mère, la princesse Diana. Kate Middleton et William toujours sur la même longueur d'onde. Kate Middleton et William ont décidé de sceller leur amour des années après leur première rencontre sur les bancs de l'université de St Andrews en Écosse. Depuis, tout semble aller pour les tourtereaux qui ont agrandi leur famille. Le prince George est né à Londres le 22 juillet 2013, la princesse Charlotte est arrivée le 2 mai 2015 et le prince Louis le 23 avril 2018. De plus, le couple ne cesse de partager des intérêts communs, ensemble, ils œuvrent pour les plus défavorisés et travaillent pour un sujet qui leur tient particulièrement à cœur, la santé mentale. D'ailleurs, ils honorent très souvent leurs engagements à deux.